Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nous sommes sur Tarsis Rift. Alors, cette image ne feront pas du tout honneur au jeu, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je suis en train d'écrire un truc. Parce que tu te plantes de nom. Voilà. Ok, je reprends ce robot là, chers amis. Hop, on verra bien. Alors il dit la mise à jour est débile. Oui, oui et non, effectivement. La mise à jour est pas ce qui se fait de plus intelligent jusque là. Hop. Je sais pas si on avait testé ce robot. Ok, hop. Je sais pas si on avait testé ce robot. Hop. Mais merde. Ah mais tu me saoules toi. Oh mais merde. Ok, bon. Ce robot va être compliqué à utiliser. Sachant que aucune des personnes de notre équipe n'a encore dépassé le niveau 1. On n'est clairement pas en avance. Ok. Crac. Hop. Merde. Oh non. Putain, mais il est juste là, le bonhomme. Boum. Butez-les. Hop, ça prendra. Boum. Allez. Et pourquoi quand c'est moi j'ai l'impression de prendre 100 fois plus de dégâts? J'aimerais comprendre. Ok. Allez, faites des dégâts. Ah la vache. Je dis ça mais je suis premier à pas réussir à en faire. Merde. Crac. Boum, ok. Si tu pouvais éviter de les finir, cela dit, ce serait peut-être une bonne chose. Ok. Ok.
Là, je me sens con. Je me sens même très très con. Pourquoi il n'y a personne sur notre truc? Hop. Ah vas-y. T'es temps. Allez. Fais pas mine de healer. Mais c'est toujours nul. Mais j'avais bien compris la première fois hein. C'est pas qu'elle est nulle hein, c'est qu'étant à supprimer un problème de communauté. Ah mais merde. Bien. Ok. Ah la vache. Ah oui, ça me dit quelque chose finalement ce robot. C'est pas lui qui tend toujours à aller vers le haut ou n'importe quoi, je sais plus, un truc dans le genre. Je ne sais plus. Putain. Allez! Ça y est. Hop. Ok. Oh merde. J'ai failli régène. Allez. Ah merde, je croyais qu'il allait me perdre de vue l'espace d'un instant. Mais non, forcément que non. Allez, un petit peu de régène Marcus, ça te fait du bien. Merde, j'ai pris pour un ennemi. Quel con. Ok. On y retourne. Ok. Ah la vache. Ok. Ah. Hop, meurs, meurs charogne. Et merde. Hop. Allez. Putain, quand c'est moi, je serais déjà mort depuis longtemps. Enfin, si c'était moi. Hop, ça y est, t'es mort. T'es temps. Allez. C'est bon. Fou. Je peux même pas aller aussi haut que ça, moi. Hop. Crac.
Forcément, c'est un de chez nous. Merde. Ok. Hop. Bon, il est pas top top ce robot. Hein. Lui, il est super solide par contre. Mais par contre, j'aimerais bien ne pas le perdre toutes les 10 secondes. Bon, c'est chiant. Voilà. Hop. Allez, meurs! Meurs! Merde! Voilà! Bon, on va sur Ender parce que là, ça va pas, ça vaut pas le coup. Personne n'arrive à avoir le dessus. Enfin, non, on n'arrive pas à avoir le dessus. S'il y a des gens intelligents dans l'équipe et on met oui, ou ils vont pas oublier de répondre déjà, ce serait déjà pas mal. Allez! Allez, plus qu'un. Ou deux. Un ou deux, je sais plus. Allez! 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 Putain! Oh, c'est compliqué. Oh là 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 là. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis. Bon, c'est pas grave. C'est fini au moins. J'ai l'impression d'avoir des... Ah, ça doit être des poils de mon chien. Bon, c'est pas grave. Robot rigolo mais inefficace. Et ne sera pratiquement jamais efficace suite à cette mise à jour. Malheureusement. Puisque tout simplement, il y a tellement maintenant d'ennemis, enfin de personnages aériens, que les ennemis s'y préparent. Du coup, comme on parle de personnages aériens, je me dis qu'il serait peut-être intéressant de s'essayer à quelque chose. Oh, ça fait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Ok, de prendre un robot qui lui est anti-aérien. Qu'est-ce qu'on a en robot anti-aérien? Ça, c'en est un, effectivement. On pourrait essayer celui-ci, effectivement, ouais. On y va, on testera, et on verra bien si ça marche ou pas. J'ai même pas regardé, ouais, on est combien? On est à 13 minutes, ouais, on peut se balancer dans un nouvel épisode. Enfin, dans un nouvel... sans avoir à lancer, justement, un nouvel épisode. On y va. Ah, en plus, ça arrive vite. Que demande le peuple, chers amis? Que demande le peuple? Du coup, je supprime aussi. Ça, il a été supprimé déjà, c'est cool. Ce qu'il faudrait que je tourne absolument aujourd'hui, ce serait 2 Elite Dangerous, ce qui va être compliqué, malheureusement, maintenant, parce qu'il est déjà 17h30. J'ai des courses à faire. Enfin bon, on verra. On m'a envoyé des messages partout. Gunning the Gunner. Ah, c'est cool, par contre, on peut voir l'armement qui est en face. Si on arrive à reconnaître, on va prendre déjà 2 snipers en face déjà. D'accord. D'accord. Ok. Intéressant. Falloir que je me tâte à faire un certain type de robot. Ce sera encore un robot volant, ça qui m'embête en fait. On verra. On verra, on verra, on verra. Ah, tu verras, tu verras. Tu recommenceras, tu verras, tu verras. La vie s'est fait comme ça, tu verras, tu verras. Forcément. Forcément, Nathalie Moreau. Nathalie Moreau, ça me rappelle vaguement quelque chose. Tu serais pas une de mes abonnées, toi.
Oh, j'ai pu faire... Ah oui, je me rappelle. Non, je n'aime pas ce robot. C'est pas ce robot-là qui a que des petits canons. Est-ce que tu te bouffes, tu te planterais pas de ligne par hasard? Non, t'as du bol. Hop, ok. Aïe! Boum! D'accord, c'est le bateau qui les heal. Merci. Je sais pas si je suis à 10. Ah ouais. J'ai plus rien, je vais me faire défoncer. Ok. Je sais plus si c'est ce petit sniper là qui a tous les. Qu'il y a que les petits snipers justement, j'ai l'impression que oui. Par contre j'ai pris un anti-aérien, j'ai dit que j'allais prendre un anti-aérien et je me trompe face à une équipe où il n'y a pas d'anti-aérien malheureusement, d'aérien. Donc vous voyez c'est ça le problème, j'ai l'impression que le jeu est toujours contre moi, c'est casse-couille. Ah bon. Ouais, j'ai pas les gros parce que j'ai pas les petites. Mais putain, mais. C'est pas le bon côté. On sent que t'as du courage toi là-bas. Ça y est. Et tu fais que ça hein. Il va faire que ça. Ok. Peut-être essayer de s'enfuir. Non, je sais pas. Le mec il joue sa vie en jouant à Robocraft quoi. Et vous voyez j'ai... Enfin j'ai fait... Oh mais merde, débile ce robot. Allez grappe. Ouais mais si je pouvais le voir encore. Mais... Hop. T'as raison, planque-toi. Ça vaut mieux. Mais merde. Ah mais... Et il va pas le retourner. Bah non. Ah bah non mais il est à l'endroit, je suis con. Bizarre, je l'ai pas vu à l'endroit moi, j'avais pas l'impression qu'il était à l'endroit. What? Oh bah c'est génial. Bon bah écoute, se rendre, on a plus qu'à se rendre. On a pas lu deux joueurs.
Hop. Merci. Mais putain! Oh mais non, mais c'est débile! Mais punissez les joueurs, putain! Punissez-les! Oh la gueule! J'ai l'impression d'être un... d'être dans 50 nuances degrés, quoi! Voilà, c'est 50 nuances de Marcus. Merci. Je vais mourir, mais merci. Ah d'accord. D'accord, en fait on tire au milieu tous. Et lui il a mis son dash pile à cet endroit là finalement. Enfin bon, ça sert à rien de la jouer honnêtement. Voilà, j'ai plus de canon. Il est à toi. J'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes. Tuez-moi, merci. Voilà, c'est bon. Faudrait vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, je vais en toucher un mot à la... à la Robomunity, hein. Je vais en toucher un mot parce que là ça c'est pas possible de jouer avec des gens qui se barrent d'une partie. Il va falloir mettre des punitions, hein. Tant pis. Hein. Hop. Mais arrête de reculer! Il va falloir arranger le matchmaking aussi parce que putain. Voilà. Ce robot, c'est de la merde. Ok, bon, est-ce qu'on peut se rendre? Merci. Ah, y'en a qui veulent pas, hein. Est-ce qu'il y en a un qui a... est-ce qu'ils vont tous vouloir? Ce serait cool. Allez! Zéro dégâts. Et j'ai plus d'armes. Bon bah vas-y, tue-moi. Tue-moi, j'ai des alliés débiles. Tue-moi, j'ai des alliés débiles. Mais ça là, ça, ce qui vole devant, devrait être touchable au canon anti-aérien. Je peux tirer sur mon propre truc? Quel dommage. Toujours pas. Allez Marcus, on y va. J'ai l'impression d'avoir fait un tour de con quoi. Allez, est-ce qu'on peut abandonner s'il vous plaît? Non, toujours pas. Ok. Cette partie se rallonge. C'est génial, elle est géniale cette partie. J'en ai ras le cul, chers amis. Que ce soit au niveau des... alors là, joue tout à l'heure à Overwatch.
Merci, oui. Ah non, ils veulent pas, hein. Oh là là. Oh là là, ça me saoule, ça me saoule. Putain, et ce robot-là a sans doute 5 médailles d'or, hein. Enfin 5 étoiles. Parce que voilà, waouh, robot qui a de la gueule. Du coup, je vais lui mettre du combat. Alors qu'il y a bien 2 distinctions. Hein. Mais non, mais ça me gonfle. Ça me... Je suis désolé, cher ami, mais là. Je comprends pas comment que les jeux vidéo peuvent avoir une communauté aussi débile. C'est violent, hein. Alors je sais bien que c'est un free-to-play, que c'est particulier, ou que c'est un. Mais quand même. Mais quand même. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, abandonner? On va attendre. On va attendre. Mais arrête, je fais rien. Ah bah ça y est, il était temps. Voilà, bon. Non, y a pas de GG, y a pas de GG du tout, hein. Y a juste que le jeu nous encule. Alors, je tiens à préciser que la mise à jour avec le menu que vous avez pu voir au début est censée éviter ce genre de choses-là. Mais, bien sûr, ça ne marche pas. Donc, c'est une mise à jour qui, en dehors de l'esthétisme et d'annoncer ce qu'a l'équipe comme adversaire, comme compétence, eh ben en fait, met en avant... Le côté débile du matchmaking qui met des personnages anti-aériens dans une équipe où il n'y a pas d'ennemis aériens en face, etc. etc. Met en avant, rien du tout d'autre d'ailleurs, mais met en avant son inutilité tout simplement en montrant qu'en fait, si un mec se barre pendant les 20 secondes de chargement, parce que maintenant en fait on se tape 20 secondes de chargement, bah soi-disant il revient, alors qu'en fait la plupart des gens, ils font 20 secondes de chargement, ils se rendent compte que leur robot marche pas et ils se barrent. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Donc non, je peux pas, c'est pas, je m'amuse pas là pour le coup, je m'amuse pas. C'est débile, c'est franchement débile. Donc toi robot de merde. Robot de merde, tu te casses, tu sers strictement à rien. Mais alors à rien. Faut pas chercher plus loin. Toi, un peu pareil, tu te casses. Voilà. La savonnette, ça, celui-là était très efficace. Ce robot-là, je sais pas s'il est si efficace que ça. Faudra que je le réutilise pour voir. Je me rappelle plus s'il est efficace ou pas. Usine, on va quand même aller voir à l'usine. Si ça se trouve, il y a des choses. Merci à ceux qui m'achètent des choses. Là, il faudra vraiment que je les remette en vente, mes trucs. DB8, ah oui, je me rappelle, ce truc-là, ça ne sert strictement à rien. Mouvement, pour l'instant je n'ai pas d'intérêt. Je voudrais juste voir un nouveau sniper. Est-ce que c'est possible? Alors les snipers, c'est quoi déjà? C'est les Tesla. Non, j'ai pas l'impression. Tesla, c'est les Tesla Blade, exact. Les électriques. C'est ça. Ok, bon. Alors déjà, toi, t'es pas bon. Notation de combat. Stardust compétitive. Rail Sprinter. Bah ben voilà un truc intéressant. On va prendre ça et on le testera dans le prochain épisode les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.